Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va pas. Tout simplement. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Ça se dit pas en vidéo, ça se dit pas. Faut dire. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Mais non, moi ça va pas. Pourquoi? Parce que hier, dans ma collection, j'ai recruté le Sir Lancelot. J'ai été en live sur Twitch, pour ceux qui ne me croiraient pas. J'ai recruté le Sir Lancelot, je l'ai monté en 130. Voilà. Comme ça, pour les gens du pic. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils me font? Aujourd'hui, jeudi 4 février, qu'est-ce qu'ils me font? Boutique hebdomadaire, Sir Lancelot. Et je devrais dire que ça va? Ah bah bien sûr. Bah non, ça va pas. Non, et sinon, sans déconner, donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bah, tout simplement parce que le Sir Lancelot est ressorti comme je vous l'avais vu. Donc, je suis plutôt content qu'il est ressorti, mais j'ai trop le seum. J'ai clairement trop le seum, hein, je vais pas vous le cacher. Je pète le seum. Clairement. Donc, du coup. Je vais vous présenter le Sir Lancelot en lui-même. Comment je l'ai monté moi personnellement. Pourquoi je l'ai monté comme ça. Pourquoi je l'ai pas monté comme des autres armes, par exemple en Tokrit ou des trucs comme ça. Je l'ai tout simplement monté comme ça parce que je vais m'en servir en endurance Picardie. Picardie, armure. Donc ce sera pour les vagues 28, 29, 30. Pour mes mini-boss. Donc du coup, les armures serviront. Le peu que c'est un flac d'acide que je perde beaucoup moins de vie. Et l'efficacité de l'énergie en attaque lourde, quand je fais une attaque lourde, pour dire de propulser mes mini-boss, qui me permet de. Que ce soit. Que je perde moins d'énergie, quoi, tout simplement. Donc, du coup, après, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il me faut encore comme héros? Tout simplement, parce que il faut pas que ça, faut pas que ça. Nous, on a bien sûr. Le Sir Lancelot qu'on retrouve là, tous les gros pigeons l'ont acheté. Il est ici. Celui-là. Hop là, nous on a ce Sir Lancelot là. Mais c'est le même, c'est exactement le même qui est dans la boutique actuellement. C'est juste le design qui sent. Celui-là il est plus dégueulasse et l'autre il est plus moche. Celui-là est 15 € et l'autre il est gratuit. Bon, il est gratuit, faut l'acheter, mais voilà. Vous avez compris. Pas que du vrai argent. Et le samouraï de la casse qui est bien sûr disponible aussi en termes de. Héros exactement les mêmes avantages en étant simplement lui Lotus Trancheur, voilà. Donc du coup je vais essayer de me faire une petite compo avec lui, parce que je l'ai pas encore fait, tout simplement. J'avais envie de faire la vidéo, l'improviser comme ça, genre la sortir comme ça. Donc du coup je vais tout simplement me faire une compo avec. Vous montrer quelques compos qui pourraient être intéressantes avec qu'on pourrait se servir en endurance, mais moi personnellement me servirait pas parce que en endurance de toute façon en soi c'est très bien hyper machiniste en principal comme vous le savez, mais je vais essayer de me faire une petite compo avec celui-là. J'ai jamais monté parce que il m'intéresse pas, et je vous dis à tout de suite pour la compo. Et je vais peut-être m'acheter le deuxième Sir Lancelot puis monter avec un Tokrit pour le test tout simplement en game. Donc du coup on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo, à tout de suite. Donc du coup, re les gars, je me suis monté une petite compo et un Sir Lancelot. Donc on va voir qu'est-ce que ça peut faire le taf. Pour moi, c'est une bonne compo, mais après d'autres me diront peut-être qu'elle est nulle et tout, mais moi je trouve qu'elle pourrait être pas mal. Donc du coup, on va tout simplement voir le Sir Lancelot que j'ai monté. Donc du coup, j'ai mis un Tokrit, une vitesse d'attaque, un élément énergie et dégâts, parce que ce sera pas comme le Sir Lancelot. Ça c'est le Sir Lancelot rendu où tout le monde s'en fout, certes celui-là en endu, hein, celui-là clairement c'est pour l'endurance. Mais là ce sera un Sir Lancelot vraiment pour dire test en game, pour dire de faire une vidéo pas trop ordinaire quoi, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui en ont fait, je vais pas regarder mais soit. Donc du coup, un Tokrit, une vitesse d'attaque, parce qu'on va la jouer en attaque lourde et en attaque. Donc du coup, Tokrit attaque, l'élément pour dire que ça fonctionne surtout, et une armure. Une armure, vous allez comprendre. Et un dégât des coups crit pour le taux crit, forcément mettre un peu plus de dégâts. Hop, donc du coup je vais me la mettre là. Ah merde, c'est pas la bonne. Celle-là. Hop là. Donc du coup, je me suis fait une petite compo. Donc du coup, je vais pas monter le héros en légendaire tout simplement parce que je l'ai pas.
Et je veux pas dépenser des fluxless, je pourrais, mais ça me sert à rien parce que je vais pas réellement m'en servir. La compo, c'est juste pour la vidéo. Donc du coup, dans la compo, j'ai mis Lotus Edge Trancheur qui est le héros pour le silence lourd. Augmente l'efficacité de l'énergie en attaque lourde de 200% conseillé là. Donc du coup, c'est pas mal, vraiment pas mal. Donc c'est pour ça que bah j'ai mis que... Je crois que j'en ai même pas mis. Non, j'ai même pas mis d'efficacité de l'énergie en attaque lourde. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Parce que là, de toute façon, en soi, ça sert à rien du tout que j'en mette une, parce qu'il y a déjà efficacité de l'énergie en attaque lourde. Et d'un seul coup en dessous, on a déflagration ancestrale avec médiation de saurien. J'aurais pu mettre médiation de saurien, mais là c'est vraiment pour dire d'avoir une énergie en presque illimitée. Comme la compo perce tympan, mais c'est pas vraiment ça. Donc du coup, parce que la compo perce tympan, je le joue en principal. Donc du coup j'ai mis celui-là pour avoir l'énergie, avec la déflagration ancestrale pour dire d'avoir des HP. Donc du coup d'où je mets Triceratops 1, parce que vu que j'ai déflagration ancestrale, ça se régénérera encore beaucoup plus vite les PV que si j'avais pas déflagration ancestrale. Donc du coup c'est plus avantageux je trouve de jouer sans rien que jouer survivaliste, qui est juste ici, mais sinon je pense qu'il est jouable aussi, mais ce sera voilà quoi. Après, on a Griffe de Saurien. Griffe de Saurien qui augmente le dégât des armes de mêlée. Donc du coup, Sir Lancelot, c'est une arme de mêlée. Ici, on a Assassinat. Donc du coup, ça augmente encore le dégât des armes de mêlée qui confère Assassinat pendant 5 secondes. Donc du coup, c'est le dégât des armes de mêlée quoi. Et ici, bon, j'ai pas mis d'armure, j'ai pas mis de vampirisme tout simplement parce qu'on a Isa. Et Isa, elle augmente notre vampirisme. Donc du coup, c'est un constructeur, donc du coup, voilà. Elle augmente notre vampirisme. Donc du coup, on se retrouve tout de suite en game pour le test. Je pense que je vais lancer une détruire les camps en 140 si on a une. Et on va tester ça et on va voir de quoi c'est capable. Et puis on va pouvoir, voilà quoi. Je pense que cette fois je vais lancer avec des randoms pour dire de pouvoir mettre un peu plus de dégâts pour la vidéo, quoi. Sinon, on verra. Voilà. Vas-y, à tout de suite. Donc du coup, re les gars, on se retrouve directement en game. Donc du coup on a notre Sir Lancelot avec notre héros principal FF. Bah j'arrive 2 secondes, j'arrive en Sir Lancelot mec. J'arrive en Sir Lancelot mec. Tu vas faire quoi mec? Alors comme vous pouvez le voir, franchement, là au niveau des dégâts, ça a l'air de passer. Je suis en 140 hein, avec des randoms. Regardez, quand je fais une efficacité de l'énergie en attaque lourde, ça se régénère ultra vite, sans déconner. Mais là, c'est pas drôle les randoms, arrêtez. Oh oui, mais des dégâts super, hein. Regardez quand j'ai cuit. Bon, par contre là... Je sais pas si détruire les camps c'était la meilleure idée. Hein. Alors, par contre, laissez-moi, hop. Laissez-moi aller faire l'autre camp s'il vous plaît. Je suis en vidéo comparé à vous. Laissez-moi. S'il vous plaît. Je vais t'en montrer ma compo. Alors. Donc du coup, hop. Non, dégage avec ton arc à Xénon. Oh, en vrai, il fait le taf. Eh. C'est quoi de ça? Eh, je le pensais. Mais bouge! C'est quoi ça? Mais bouge! 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 Laisse-moi faire ma vidéo, mec. Alors, toi, est-ce que... Oh, la vie qui a perdu! Mais laisse-moi faire ma vidéo! Mais! Espèce de gratteur de ce mob. Allez, hop, donne-moi le cadeau, hop. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir, c'est... En fait, je crois que je vais la jouer souvent, cette compo. Je vais peut-être le monter en légendaire. Bon. Vous pouvez le voir, je suis toujours à 1 million de vie. Bon après ça je suis avec des randoms donc soit mon PV est augmenté. Je vais même tester la compo en solo tiens après j'en vis parce que là elle m'a l'air quand même d'être pas mal puissante avec des randoms donc je sais pas si c'est parce que j'ai modifié mes sections de survivants ou je sais pas mais réellement regardez je mets du dégât. Elle a l'air d'être vraiment pas mal. Il y a un fracas, il m'intéresse. Il m'intéresse réellement lui. Hop, parce qu'on va le pousser par là, hop. Voilà, donc du coup on va voir les dégâts qu'on lui fait quand on le pousse.
Donc du coup, logiquement, le Franca, il devrait pas réussir à nous taper. À part si on le cogne contre un mur, ça c'est ce qui est totalement logique. Hop. Non, on va pas dans le vide! Oh! Oh, mais bougez! Oh là là, pas possible! Hop! Même pour moi, mais elle a l'air pas mal attendu. Hop! Non, clairement. Je ferai une autre vidéo pour une compo farm, mais pas le servant slow pour farm, les gars. C'est pas le servant slow. Oh, par contre, je lui ai dit, oui. Attendez. Oh, il est pas mal, il est pas mal le VPR réellement. Hé! Hey. Hé, hey, les gars! Réellement! Il y a moyen de faire des choses! Hé! Hey. Vous voulez que je vienne vous aider avec mon servant solo? Et le random il va se dire, mais c'est vraiment un random, lui. Ah bah ouais. Vous êtes tombé contre le pire random au monde, les gars. C'est réellement, c'est. Waouh! Comment c'est possible de tomber contre un random pareil? Genre, un adorant un truc qu'on n'est pas. C'est un random. Donc, du coup, comme vous avez vu, je sais pas si vous avez regardé, mais mes HP, c'est avec les Ceratopins et des plagues ancestrales, c'est strictement une tuerie, quoi. Si j'avais pas ça, j'aurais une survivaliste, c'était pas une tuerie. Mais là, vu que j'ai des plagues ancestrales et tout, c'est une tuerie, le truc, c'est. Allez hop. Alors, je déteste ces mobs-là. Bon, par contre, vous allez me laisser faire ma vidéo, hop. C'est une tuerie, hop. Je vais taper le random. C'est une tuerie le truc. Regardez. Bon, après l'autre, il y a un mec qui a des atouts, vous me direz, mais quand même. Attendez, regardez lui, regardez son bouclier. Regardez ma vie, je reçus déjà 1 million. C'est quoi ça? Elle est strictement trop bien. Donc du coup, bah, ce que je vais faire au pire, les gars, vu que les randoms me font chier directement, je vous le dis, ils me font chier les randoms. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter la game. Je vais aller directement en détruire les camps solo, voir de ce qu'elle est capable la compo, voir si j'arrive à faire autant de dégâts. Au moins, on aura vu un aperçu avec des randoms ce qu'elle peut donner. Donc du coup, les randoms, ça peut se considérer comme vos amis aussi, parce que je dis ça, vos amis, c'est pas des randoms. Enfin, vu que vous les connaissez. Quand je dis des randoms, c'est des gens que je trouve aléatoirement en fait. Et puis ils me donnent de leur puissance, donc du coup c'est pour ça que je dis voir en solo si elle est toujours aussi puissante le surnom solo, parce que là on tombe sur ça. Ah mais réellement c'est quand la compo elle est bien optimisée, c'est un truc de ouf, c'est what the fuck quoi. Bon, vas-y, je refais une coupure, je vais quitter la mission, hop. Donc je vous dis à tout de suite, et on va directement là en détruire les camps solo pour voir ce que ça donne en 140, bien sûr, sinon c'est pas drôle, je vais pas la Fontainebleau, vous inquiétez pas. Donc vas-y, à tout de suite. Donc du coup, les gars, on est directement en détruire les camps solo, 140, comme vous pouvez le voir, privé, 140, hop. Ah merde, c'est là, privé, hop. Vous allez voir 140 de toute façon. Donc du coup, on va regarder directement de quoi il est capable en solo. Donc du coup, ce que je tenais à dire, c'est que pourquoi je pense que c'est une compo très très bien optimisée. Je pense pas qu'il y a moyen de l'optimiser plus, à moins que ce soit optimisé autrement, genre si c'est que pour l'attaque lourde ou que pour les dégâts. Mais sinon, je pense qu'elle est déjà très très bien optimisée. Donc après, pour avoir les héros, pour avoir les héros, certes, c'est un peu plus compliqué. Mais en soi, l'aventure nous facilite avec leur bon de recrutement qu'ils nous donnent. Ouais. Même en solo, vous pouvez voir. Hop. Regardez ma vie. J'ai 600 000 HP, j'en avais 1 million quand j'étais avec des randoms en fait. Et. Bah, regardez, pouf, je reçois full vie. Hop. Je vais peut-être faire toute la game complète pour que vous voyez, genre. Comment ça peut. Comment. Jusqu'où je vais réussir sans mourir en fait. Voir si j'arrive à le faire totalement sans mourir. Donc du coup, il faudrait peut-être que je tue ça avant. Hop. Donc là, je suis quasiment en attaque sur l'illimité, comme vous pouvez le voir. Hein. Je suis descendu à 500 000 HP là.
Hop. Donc du coup après si vous voulez voir directement comment j'arrive à faire la détruire les camps, bah tout simplement aller à la fin de la vidéo, hop, directement. Parce que voilà. Mais je pense que c'est. Elle est vraiment trop bien ce compo en fait. Par contre ils font mal. Oh par contre le tir lance-toi comment il est bugué mon gars. Comme vous voyez, j'ai pas l'air de perdre produit. Hein. Hop. Ouah, le tir lance-toi bug. Hop. Bon, par contre, vous voyez comment je galère à faire le tour des camps. Oh, par contre, le son il est bugué. Oh, le son il est bugué. Hop. Donc, voilà, on est déjà à deux camps en solo. Ma vie elle est refoule. Donc, littéralement, c'est. Bien, je vais refaire une petite coupure et puis, genre, après que j'ai fait deux camps, on se retrouve directement pour le dernier camp. Je pense que je vais faire ça en vrai. Parce que de toute façon, dans tous les cas, ce sera à chaque fois faire des camps, il y aura une vague de plus et. Il y aura une vague de plus. J'ai juste envie de voir avec la porte de frigo, voir si j'arrive à passer à travers en fait. Je pense pas, mais. Ah si! Et. Ah, c'est bugué par contre là. Ouais, donc du coup, je vais faire le camp. Les camps, je vais faire aussi dans ce lot, je vais pas tricher de toute façon. Et je vous retrouve directement à la fin de la mission pour le dernier camp ou l'avant-dernier, je sais pas, je verrai. Et on verra un petit peu ce qui va se passer. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà. Donc du coup, re les gars. Donc du coup, je peux vous cacher que à la fin en solo, c'est quand même compliqué. Au camp avant, au camp pas avant, mais juste avant, je suis mort. Donc du coup, ce que j'ai fait. Je me suis ranimé. Pourquoi? Bah parce que pour dire de pas perdre le camp. Et il y avait le lobus qui était trop loin, donc du coup j'ai quand même sorti le courroux pour dire de faire les lobus en fait. Mais sinon en soi c'est quand même assez compliqué, je vais pas vous mentir. Sinon j'ai fait que tout sur l'ensemble, de toute façon j'ai une compo que pour le tir l'ensemble, je mets pas de dégâts avec mon courroux, c'est juste pour dire de faire les lobus qu'ils étaient loin quoi. Vous allez voir, je vais vous montrer comment je procédais. Mais vraiment, c'est très puissant et puis en général de toute façon on joue avec cela que on joue à ce monde avec nos potes donc c'est très rare qu'on joue en privé donc en soi c'est faisable de le faire sans mourir et tout je dis pas mais regardez là conste à côté du vide c'est quand même assez chiant quand tu fais une attaque lourde quoi faut calculer où tu fais ton attaque lourde tu l'as fait du mauvais côté tu risques de tomber dans le vide c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure donc c'est pas très cool donc voilà et sinon vraiment les spectres aussi sont assez chiants mais pas trop contraignants quoi. Mais ils sont chiants. Hop, là je vais refaire une efficacité pour dire de regagner un peu de vie. Hop. Putain, il m'a eu. Hop, je vous remets un peu d'adresse. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez short. Avec les spectres et tout. Toutes les lobes qui tirent, bah voilà quoi. C'est vraiment. À chaque fois elles font que s'éloigner, c'est vraiment. Bah voilà quoi. C'est assez chaud. Là je vais pas vous mentir que c'était assez mouvementé. En solo c'est. Là c'est un peu compliqué. Il y a pas assez. Il manque de vie quoi. Si j'aurais été avec 4 potes, genre. Je suis sûr que je vais réussir, hein, vous inquiétez pas. Mais. Bon, 2 minutes, je vais pas réussir. En fait, à finir le camp. Mais. J'aurais été avec des potes, j'aurais eu 1 200 000 HP et tout. Comme vous serez. Mais vous aurez peut-être eu 100 000, 900 000. Ce qui sera déjà. Bien mieux, mais regardez déjà les dégâts que je mets en solo. Les dégâts seront boostés avec vos potes. La compo, de toute façon, est boostée du fait que vous êtes avec vos potes. C'est ça, de toute façon. Plus vous êtes avec des potes au éclair, plus vous serez boosté. Comme vous avez vu avec les randoms, ma vie a fait plus du double, quoi. Enfin, non, elle a fait le double. Elle a fait du simple au double, tout simplement. Et les dégâts, bah, si la vie elle a fait du simple au double, bah, les dégâts, c'est pareil, quoi. Genre, c'est logique. Mais regardez déjà les dégâts que je mets.
J'essaye de tout le temps rester en attaque claw pour dire tout le temps me régène de la vie. C'est assez compliqué. Regardez les spectres à chaque fois, ils m'ont quand je suis pas en attaque lourde. Bon, juste mon attaque lourde elle vient de se finir en fait. Oh punaise. C'est vraiment les spectres qui niquent tout en fait. Hop, en voilà au moins. Et non, je suis de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, c'est faisable, hein, mais c'est un peu compliqué en solo. C'est vraiment pour test, hein, c'est. Hop. Oh putain, ouais, c'est très compliqué. Après, il faudrait peut-être rajouter un truc, genre, ouais, non. Pour optimiser le tir d'un saut, elle est très très bien la compo, elle tue, genre, vraiment, mais avec des randoms, hein. En solo, elle est très bien, j'ai fait les camps, les premiers camps sans problème, comme vous avez vu en début. Mais à la fin, c'est trop compliqué avec les spectres et tout, les spectres, ils te rajoutent une difficulté, ça paraît pas, mais waouh. Et puis, il y avait trop le buzz au premier camp, voilà quoi, là tu te retrouves avec 5 à 10 le buzz à tout casser, donc là j'essaye d'y aller au plus vite. Pour dire de voir ce que j'arrive à faire. Hop. Mais ouais, la compo je la kiffe, hein, réellement. Je one shot quasiment tout en attaque lourde. Donc, là, vous venez de voir quoi. Hop. Je vais mettre mes tourelles, hop, elles vont peut-être m'aider un petit peu. Je recharge un coup dedans, vous voyez ma vie elle se remet instantanément. Hop, après si vous êtes à côté du vide, n'hésitez pas à essayer de les pousser dans le vide, hein, mais voilà, c'est dangereux, c'est dangereux. Regardez, là, déjà rien que là, il y a trop le buzz quoi. Donc, là, il y a le spec qui est derrière moi, il croyait que je l'avais pas vu, Jackie, là. Hop. Et comme vous pouvez le voir, les dégâts qu'on met, c'est. Allez hop, on essaie de les tuer, hop. Voilà, c'est n'importe quoi. Bon, j'ai gagné, mais j'ai pas réussi à faire les autres camps. Je me suis servi un petit peu du courroux pour dire de faire les autres, même si j'aurais pu m'en passer. Mais c'est pour dire que si je m'éloignais trop du camp, le camp il allait s'arrêter. Donc j'étais un peu obligé, je vais pas vous mentir. Mais avec vos potes, quelqu'un qui reste à côté du camp, ou même vous demandez à vos potes, même s'ils se mettent en AFK, c'est. Réellement elle est trop bien la compo. Elle est surchitée je trouve. C'est. Le surlance que il y en a énormément qui le jouent en endurance. C'est. Parce que pour les mini-boss, faire repousser les mini-boss, c'est insane. C'est trop bien. Mais là, comme tel, il pète le feu le surlance le réellement. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, comme d'habitude, quoi, vous connaissez la musique. Je vous souhaite une bonne journée à tous, parce que je sortirai dimanche matin, probablement, la vidéo. Là, on est actuellement jeudi. Non, vendredi, excusez-moi. Je vous remets la compo vite fait pour que vous voyez bien. Edge Lotus Trancheur avec Déflagration Ancestrale, Médiation Saurien, Griffe, Assassinat, Voyage de monstres, et voilà. Donc, du coup, il y a déjà trois dinosaures dans la compo, et puis ça. Donc, du coup, en soi, c'est avec l'aventure que si vous les avez pas, vous pourrez les débloquer avec des tickets. Et voilà. Donc, du coup, je vous souhaite une bonne journée à tous, et ciao!